Je m'appelle Romain Rosier, je suis chef de clinique en anesthésie réanimation à Nice en première année. Alors, mon sujet de thèse, c'est le préconditionnement anesthésique, donc tout ce qui est moyen de se protéger contre l'ischémie et reperfusion, avec les agents halogénés du coup, et que je développe en tout cas au laboratoire et dans mon service. Je suis plutôt, on est assez polyvalent, puisque je travaille dans un service qui fait de l'orthopédie, de la traumatologie, de l'urgence, de la chirurgie réparatrice, de la radio-interventionnelle, enfin bon, bref, on fait pas mal de choses. Et l'idée, ça, c'est de garder quand même une part translationnelle à tout ça. Alors moi, j'aime bien mes baskets, mes petites sneakers, en fait. J'aime bien avoir ça pour pouvoir courir partout correctement en garde. Voilà, c'est une question de commodité, d'usage. Alors en ce moment, j'écoute beaucoup Tom Misch. C'est un mec qui fait tout ce qu'il veut avec une guitare. Et un autre groupe français, je crois bien qu'ils sont français, c'est HER, qui est super cool. Tu me prends un peu au dépourvu. Non, je l'avais pas préparé celle-là. Non, on va dire plutôt des films de potes, genre De Jours Heureux, en tout cas, cette espèce d'ambiance, tu vois, d'équipe avec l'anesthésie réanimation, assez de partenaires, côté amical de la chose, en fait. Voilà, c'est ça qui. Travailler en groupe, hein, moi je fais pas mal de sport aussi, de handball en particulier, et c'est cette atmosphère-là de collectivité, comme ça, qui est côté collectif, qui est cool. Voilà. Qui nous habite à présent. Mesdames, messieurs, concernez-vous, peuple de France. Oh, je pense que bon, les intelligences artificielles, le fait qu'on sépare un petit peu du côté, qu'on aborde en tout cas les choses avec un côté un peu plus robotisé, etc. Alors, sans remplacer l'homme, hein, bien sûr, mais je pense que voilà, c'est cette part, on va dire, plus intelligence artificielle, ouais, qui pourra éventuellement, dans les divers modèles, notamment d'induction anesthésique, etc., on verra comment ça se passe, et surtout en réanimation. À voir comment, quelle direction ça va prendre. Alors sur la médecine, moi j'aime bien, bon c'est pas vraiment un compte, hein, mais j'aime bien l'ASFAR TV. Moi j'aime bien ces petits topos là, assez réguliers. Je suis assez friand de ça, ouais. C'est assez sharp et on a des vraies informations, des vrais messages. Bah, regarde autour de toi. Non, en dehors de ça, bon, c'est un petit CHU, hein, on connaît tout le monde, il y a une vraie proximité, et voilà, il y a des vraies amitiés qui se forment, il y a des vraies, je vais dire, lignes directrices de boulot, et voilà, il y a moyen de. Il y a encore beaucoup de choses à développer, donc il y a de vraies perspectives aussi ici, donc, et tout ça, voilà, dans un cadre assez idyllique. Et si c'était à refaire ? Je changerais rien. Voilà. All I need is 5 minutes.